Bonjour à tous, nous sommes encore très heureux de vous accueillir nombreux pour ce nouvel épisode des webinaires Edu de l'EduLab TV. Aujourd'hui, c'est un thème un peu particulier, on va discuter impression 3D. On a pris le parti de vous présenter cette technologie qui est encore parfois un peu sous-estimée dans les classes et dans les écoles. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'accueillir Julien François, qui est professeur à l'Athénée de Nivelles, qui est aussi concepteur d'un Fab Lab. Il a créé un Fab Lab dans son école. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas encore le terme Fab Lab, on aura l'occasion d'en discuter. Et il est aussi formateur en nouvelles technologies. Bonjour Oui, Julien, bonjour comment à tous. vas-tu? Ça va et toi? Ça va super. Je vais déjà te donner un peu les résultats du sondage et puis je te laisserai te présenter un peu plus, de manière un peu plus approfondie. Alors aujourd'hui, on a 18% d'instituteurs, beaucoup d'enseignants du secondaire, 30%, 20% de formateurs et des particuliers et autres. Je ne sais pas très bien ce que c'est, donc n'hésitez pas à le dire dans le chat. Est-ce que vous avez déjà utilisé une imprimante 3D? 17% oui, 20% je débute et 64% non, c'est une totale découverte. Donc on a un public Ça tombe aujourd'hui qui bien. va découvrir cette technologie, ça tombe bien, en espérant qu'on va répondre aussi aux questions des plus expérimentés. Ça, je n'en doute pas avec Julien. Est-ce que vous avez déjà été dans un Fab Lab? On en a 50% oui en tant que visiteur. Donc on voit que ça commence à entrer dans les mœurs. 3 y sont déjà allés en tant que concepteurs et 45% se posent la question de ce que c'est qu'un Fab Lab. Alors avant de donner la parole à Julien, aujourd'hui on tenait à vous dire qu'on allait vous présenter vraiment cette technologie de A à Z, la décortiquer au maximum. Parce qu'on s'est dit, quand un enseignant apprenait avec son TBI, ben, ça coince et parfois il arrête déjà à l'utiliser ou alors il est découragé. Donc l'objectif ici, c'est de vous montrer toutes les astuces, tout ce qu'il faut maîtriser pour vraiment pouvoir intégrer cette technologie dans l'apprentissage et dans vos classes et autres en tant que particulier. Voilà Julien, je te laisse te présenter. Moi, je cherche ton petit PowerPoint en attendant. Je t'en prie. Ok, super. Et bonjour à tous. Moi, je suis au départ professeur de sciences, de formation. Je donne toujours une partie de mon horaire en sciences actuellement. Et j'ai la chance de m'occuper de la partie, on va dire, IT à l'Athénée Royale de Nivelles, ainsi que la gestion du Fab Lab et de la radio également. Ici, en fait, depuis 2 ans et demi, on a remporté, plutôt il y a 3 ans, on a remporté l'appel à projet École numérique pour pouvoir lancer notre Fab Lab. On a été subventionné pour pouvoir le mettre en place. Et donc, l'impression 3D faisait partie évidemment des différents éléments qu'on a pu mettre en place. Ah ben voilà. Ok, super. On avait déjà commencé un petit peu avant parce que on va dire que notre direction était très optimiste quant aux nouvelles technologies. On avait commencé avec deux premières imprimantes 3D et puis on a étoffé grâce au projet École numérique. Donc la vision de l'école, c'est vraiment l'enseignement en phase avec les technologies modernes et de s'inscrire en résonance avec le monde actuel. Je pense que l'impression 3D en fait partie complètement. Donc, à ce titre, il y a plusieurs choses évidemment qui ont été mises en place dans l'école. On avait une autre objectif qu'on voulait poursuivre, c'était aussi permettre aux élèves d'être beaucoup plus créatifs et pas uniquement dans le dessin ou dans la musique, mais aussi dans des domaines tout à fait nouveaux pour eux, auxquels ils n'ont pas forcément accès à la maison. Dont l'impression 3D. Et donc, la phrase qui est proposée ici, c'est vraiment quelque chose que l'on veut mettre en avant dans l'école. Pour nous, c'est hyper important. On n'est pas là pour uniquement leur apprendre quelque chose, mais pour qu'ils puissent partager leurs idées, partager leur savoir, collaborer entre eux. C'est vraiment super, super important pour nous. Donc, il y a 3 ans, on a eu le budget qui nous a permis, donc vous voyez une partie du Fab Lab ici à l'écran, d'acquérir 2 imprimantes 3D. Nous en avions déjà 2 au départ. Donc, vous voyez les deux sur les bidons bleus, les 2 Weetbox que nous avons. Dans le petit montage en dessous du casque de Stormtrooper, on retrouve les 2 Dagomas qu'on avait achetés précédemment. Et assez récemment, on a acquis une cinquième imprimante. Évidemment, les technologies évoluent et on évolue aussi. Avec elle, on a la chance d'avoir une découpeuse numérique, découpeuse Unil, presse à chaud, thermoformeuse. Tout ça forme vraiment un ensemble. On ne s'axe pas que sur un élément en particulier.
ici, et ça permet aux élèves de proposer des projets complets et complexes. Alors, au niveau du sommaire, je ferai une brève introduction sur l'impression 3D, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne. Puis on passera finalement de l'idée jusqu'à la réalisation de l'objet, comment tout ça fonctionne. Puis les paramètres d'impression qui sont, je pense, très très importants si vous voulez vous lancer ou si vous êtes débutant, de pouvoir faire ça au mieux parce qu'il n'y a rien de plus embêtant qu'une machine qui ne fonctionne plus. Malheureusement, du coup, on la met de côté parce qu'on ne trouve pas forcément toujours les informations nécessaires pour se dépatouiller. Et puis, je vous proposerai quelques situations d'apprentissage qu'on a pu mettre en place au sein de l'école. Alors, tout d'abord, l'introduction. Un petit peu d'histoire. Je pense que pouvoir dupliquer des objets, quels qu'ils soient, ça fait longtemps qu'on en rêve. Ici, c'est l'extrait simplement de Tintin et l'Aqu'au Requin, qui au départ était un film d'animation, où on voit la photocopieuse tridimensionnelle du professeur Tournesol, qui est convoité par Astapopoulos. Voilà, c'est quelque chose qui est déjà dans l'imaginaire, je pense, des gens. Bien avant, en 1960, on retrouve déjà dans certains romans cette idée aussi de machines qui permettaient de répliquer des objets. Alors, on ne réplique pas évidemment n'importe quoi, hein. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir obtenir un objet avec une certaine forme. On ne peut pas encore dupliquer des matières, ou en tout cas, on n'est pas capable de faire la transmutation. Alors, plus simplement, si on parle de fabrication et d'impression 3D, on parlera de fabrication, pardon, additive d'un objet. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? On prend un objet. Et on va, en tout cas, la modélisation de ces objets, et on va simplement faire une superposition de couches de matière, peu importe la matière, pour pouvoir reconstituer cet objet. Alors, la première fois qu'on entend parler de cette technique, c'est aux alentours des 1982, où Chuck Hull, un Américain, va imaginer cette forme d'impression 3D, même si on ne la nomme pas encore comme ça. Alors, c'est un petit peu la course, hein, au brevet à cette époque-là. Et donc, les Français sont les premiers à produire leur brevet sur la fabrication additive de manière plus générale, suivi un mois après, à peine, par Chuck qui propose la stéréolithographie, dont je vous expliquerai le fonctionnement par la suite. La technologie du dépôt de fil fondu, qui est la technologie la plus utilisée dans les imprimantes 3D aujourd'hui, en tout cas à titre domestique, pour le grand public, fait son apparition seulement en 1988. Alors, on fait un petit bond dans le temps. 1996, on a les premières commercialisations de grosses machines, donc des entreprises qui fabriquent des machines à imprimer en 3D pour d'autres sociétés. Et donc, c'est la première fois qu'on retrouve ce nom imprimante 3D qui apparaît, sa première dénomination. Étant donné qu'on est toujours sur le coup des brevets, en 2007 seulement, on voit apparaître les premières imprimantes open source qui sont mises à disposition, évidemment, tous les tutoriels pour pouvoir les monter sur le net, ce qui ne posait pas de problème, évidemment, avec les brevets. Et elles avaient une particularité, ces premières imprimantes, c'est qu'elles avaient la dénomination RepRap. Alors, RepRap, ça veut simplement dire que c'est une imprimante qui est capable de se dupliquer. Donc, à partir d'une première imprimante que vous allez fabriquer, vous allez pouvoir réimprimer les parties d'une même imprimante, donc d'une seconde imprimante. Et donc, on a vu l'apparition à partir de ce moment-là des premières sociétés qui faisaient des usines d'imprimantes 3D à partir des imprimantes 3D qu'ils venaient de fabriquer. En 2009, les brevets terminent, enfin, à notre grand bonheur, parce qu'à partir de ce moment-là, bah, évidemment, les brevets tombant dans le domaine public, on a la capacité de pouvoir produire des imprimantes 3D bon marché. On a deux sociétés, une américaine, MakerBot, que certains certainement connaissent si vous allez sur Thingiverse. C'est eux qui sont propriétaires de la plateforme. Ils fabriquent évidemment des imprimantes 3D toujours à l'heure actuelle. Et on a une entreprise française qui s'appelle Sculpteo qui fait son apparition à ce moment-là. Et à partir de 2009, on a un boom
dans l'impression 3D grand public qui va s'opérer. Et c'est vraiment une croissance qui est exponentielle si on regarde les chiffres que l'on a aujourd'hui. Je pense que là, il y a deux éléments qui vont permettre ça, c'est la numérisation, enfin, le numérique qui entre un petit peu partout, même au sein des, je veux dire, de notre quotidien à la maison, etc. Et le fait que les imprimantes 3D sont devenues très accessibles financièrement. On commence déjà à avoir des imprimantes à moins de 200 euros pour pouvoir débuter et s'initier. Alors, je pense que l'impression 3D ici a pris un coup de boost encore avec, malheureusement avec le, ou heureusement avec le Covid, avec la réalisation des visières comme j'ai ici. Ici, nous, avec les, avec l'école et avec un collègue, on a fabriqué pendant cette crise près de 1200 visières. Et je pense que ça a donné un intérêt encore supplémentaire à toute une partie de la population de pouvoir s'adonner à l'impression 3D. Alors, évidemment, il y a énormément d'applications, hein. Le premier restera le prototypage industriel, le design, l'architecture. Bien sûr, on pense au monde médical, à l'alimentaire. Je vous montrerai un exemple juste après. Tout ce qui est personnalisation et bien sûr, en l'occurrence ici, la formation, c'est ce qui va nous intéresser. Voilà quelques exemples de réalisation actuelle de ce qu'on peut attendre de l'impression 3D. On peut avoir donc des prothèses de remplacement qui sont fabriquées, aussi bien internes au corps que externes. La réalisation d'un plâtre et l'inconfort d'un plâtre, je pense que certains d'entre vous peut-être connaissent. Et on voit apparaître du coup comment, des hôpitaux qui réalisent des espèces d'attelles hein, qui remplacent les plâtres et qui permettent une meilleure aération, un meilleur confort pour les gens. Mais on a évidemment les parties osseuses qui sont complètement remplacées. Alors, je ne sais pas si vous le voyez correctement ici, mais on a vraiment toute une série d'alvéoles qui sont présents dans la structure au niveau du crâne, que pour pouvoir reconstituer même l'os par la suite. On a un célèbre hôtel parisien qui fait imprimer ses chocolats pour certains événements. Donc là, c'est purement impression. On a l'entreprise Bugatti qui réalise des parties de moteur avec un gros avantage, c'est qu'il n'y a plus besoin d'assemblage de pièces pour pouvoir obtenir des pièces complexes. On va retrouver ça dans la mode. On va évidemment retrouver les masques au niveau du médical pour l'instant. Et le dernier exemple, c'était la fabrication de maisons avec l'impression de murs pour de modestes habitations pour l'instant, mais d'habitations quand même. Alors, il est un fait que l'impression 3D dans l'industrie a été indispensable évidemment à l'arrivée de l'impression pour nous, parce elle faisait écho à un besoin dans cette ère de mondialisation où on avait cette nécessité de pouvoir produire rapidement des objets de consommation. Et donc, on a une idée, on la conceptualise, on en fait un prototype et l'impression 3D arrive justement à cette étape-là de prototypage pour corriger et adapter le développement du produit avant la mise sur le marché. L'avantage, c'est que c'est évidemment très rapide et que les coûts de fabrication, même au niveau industriel, pour ce prototypage, sont très réduits. On voit maintenant de grosses entreprises qui fonctionnent avec ces technologies-là, alors qu'elles les avaient délaissées pendant tout un temps. Alors, au niveau des technologies proposées, je vous en présente trois, on pourra aller un peu plus dans le détail. Voici la première, celle qui a été brevetée par l'Américain en 1984, c'est la stéréolithographie. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est un bain de résine qui va subir simplement une lumière, alors qui peut être un laser UV, soit en un point, soit sur toute une surface, et qui va venir en fait durcir la résine, là où la lumière va venir faire son action. Et donc vous avez un plateau de travail qui au départ se trouve dans le bac de résine. On va avoir une première fixation qui va se faire sur ce plateau.
Et puis, on va activer la résine, on va durcir la résine uniquement aux endroits que l'on souhaite. Et le plateau va monter petit à petit pour pouvoir faire apparaître au final notre pièce. Alors, si certains ne connaissent pas, c'est un mode un peu particulier parce que contrairement aux imprimantes qu'on voit classiquement dans le commerce à l'heure actuelle, le plateau va dans l'autre sens. Mais c'est un type d'impression qu'on utilise assez bien. Maintenant, ce n'est pas celui que je vous conseillerais en classe pour la simple bonne raison, c'est que l'utilisation de résine, ce n'est pas forcément évident, notamment avec les plus jeunes. Il y a tout un travail de nettoyage qui doit se faire après avec de l'alcool isopropylique. Avec les enfants, je le déconseille fortement. Alors, pour l'autre technologie, et ça, j'en fais une brève explication. Ça, c'est plus au niveau industriel. C'est l'impression par frittage. Là, en fait, on va venir déposer des couches successives de poudre sur lesquelles on va imprimer un laser. Ce laser va faire durcir la poudre uniquement aux endroits voulus. L'avantage ici, c'est qu'une fois que l'impression est terminée, vous plongez votre main dans la poudre et vous ressortez uniquement la pièce solide. Sans support, sans rien, parce que, en tout cas pour ceux qui connaissent déjà le principe de support, vous pouvez avoir des parties vides à l'intérieur, étant donné que la poudre fait office de support. La technologie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la technologie de Fused Deposit Modeling, qui veut dire simplement dépôt de fil fondu. On va pouvoir venir chercher des matériaux qui sont principalement des matériaux plastiques, mais on peut imaginer n'importe quel matériau qui peut être fondu et déposé. Et donc, le filament passe ici dans une tête, dans un bloc de chauffe, pour faire passer évidemment le matériau de l'état solide à l'état liquide. Ça, c'est déjà un premier point que vous pouvez aborder avec vos élèves, hein, les températures de fusion des matériaux, pour pouvoir le déposer. Ensuite, le matériau refroidit et se solidifie en couches successives. Ça, c'est vraiment le principe le plus utilisé maintenant et celui qui est surtout le moins cher et qui est pour moi le plus efficace en classe. Jonathan, tu as une question? Oh, pas moi. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais aujourd'hui, c'est au public qu'on va pouvoir les laisser te poser les questions. Alors, il y a déjà beaucoup, beaucoup de questions, donc je vais t'arrêter un peu. En tout cas, merci pour cette super intro qui permet déjà de comprendre l'historique de l'impression 3D et les différentes possibilités. Alors, je vais trier un peu les questions parce que vous avez déjà des questions sur quelle imprimante choisir, on y reviendra plus tard, sur les projets de Julien plus spécifiquement aussi. Mais on avait déjà une première question. Est-ce que ton projet a été entièrement financé par l'appel École Numérique? Ou est-ce que c'est un financement qui a été fait aussi en partie avec l'école? Alors, le premier, la toute première partie, en tout cas l'idée principale avec les premières imprimantes, c'est l'école qui a mis en place pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne et si les élèves étaient réceptifs. Et puis, comme ça a bien pris, on a fait l'appel école numérique. Et je pense que si je ne dis pas de bêtises, enfin, il n'y a pas de secret, on a reçu une enveloppe de 15 000 euros pour pouvoir acheter du matériel. Et l'école a complété évidemment s'il manquait, notamment en consommables, etc. Elle continue de compléter. Alors on rappelle que c'était un projet école numérique où on pouvait choisir son matériel, oui, hein, à cette époque-là. Maintenant, on n'a plus la possibilité de choisir, c'est un projet un peu spécifique. Alors on a beaucoup de questions aussi sur l'âge, on en a discuté justement en aparté. À partir de quel âge est-ce que tu conseilles l'utilisation, enfin en tout cas, quel âge ont tes élèves? Et à partir de quel âge est-ce que tu conseilles un peu l'utilisation de l'impression 3D? Ah bah, écoute, moi je travaille avec des élèves évidemment qui ont entre 11 et... 20-21 ans pour les retardataires, vu que j'ai un public du secondaire. Moi, à partir de, enfin, je veux dire, en un mois, ils sont complètement autonomes. Les élèves de première, ils savent et modéliser et imprimer. Alors, je ne dis pas qu'ils font encore tout l'entretien, qu'ils font des tâches très, très complexes, mais ils maîtrisent en tout cas les bases de l'impression et de la modélisation. Je pense qu'il est tout à fait faisable de le faire déjà avec des élèves du primaire et comme on a pu en discuter encore tout à l'heure tous les deux, avec un système de tutorat, etc., par des élèves peut-être un peu plus grands, il y a déjà moyen de le faire avec des élèves plus jeunes. Dans ton cas, je pense que si je ne dis pas de bêtises, c'était avec des élèves de 5 à 8 ans.
Oui, je commence avec les maternelles, les troisièmes maternelles qui sont avec un plus grand qui les aide au niveau de la lecture et de la manipulation de base, quoi. Donc voilà, on en a discuté un peu en aparté avant. Donc voilà. Alors au niveau des questions, on a aussi des questions beaucoup sur le Fab Lab. Est-ce que c'est la même chose qu'un makerspace? Est-ce que tous les Fab Labs peuvent accompagner les écoles? Est-ce que ça fait partie de leur mission? Est-ce que c'est une mission globale à tous les Fab Labs ou c'est juste des Fab Labs spécifiques qui entreprennent ces actions? Alors, en fait, ce qui nous posait, c'est un makerspace aussi. Ce qu'il y a, c'est que le terme makerspace n'était pas encore super développé à ce moment-là. Ce qu'on entendait le plus, c'était Fab Lab. Nous, en fait, pour pouvoir répondre normalement au concept Fab Lab, il faut répondre à une charte qui est assez précise. Ça doit être un espace ouvert où on met à disposition, évidemment, le matériel aux participants, etc. Ça doit être ouvert à tout le monde. Alors, dans notre cas, c'est un peu particulier parce que, comme on est une école, malheureusement, nos heures d'ouverture, elles sont uniquement les heures d'ouverture scolaire pour l'instant. On aimerait faire évoluer le concept et l'ouvrir à des personnes extérieures aussi. Mais ici, pour l'instant, de toute façon, rien qu'avec les élèves, on est plein tout le temps. Donc, c'est-à-dire que les élèves y ont accès. Le matin aux récréations, ils ont accès pendant leurs heures de fourche plutôt que d'aller à l'étude, hein, un peu comme s'ils allaient à la bibliothèque, ils viennent au Fab Lab après 4 heures, sous le temps de midi, pour faire des projets spécifiques avec certains enseignants. Alors ici, j'invite les participants à se manifester si vous êtes si vous travaillez dans un Fab Lab. Je vois qu'il y a Nathalie du Fab Lab de Marche qui est présente, d'Élie Square, il y a Sylvain Denis de Charleroi. On a aussi Martha Warou de Mons. Donc je pense que vous pouvez vous manifester aussi et peut-être expliquer dans le chat rapidement que vous êtes ouvert à la collaboration avec les écoles. Donc n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un conseil qu'on vous donne, c'est de vous faire accompagner avec des personnes qui peuvent vous aider. On avait justement une question dans ce sens, et on va laisser les pros des Fab Labs y répondre. Si j'ai un problème technique avec avec mon imprimante 3D, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Est-ce que je peux venir dans votre Fab Lab pour y arriver? Alors moi, Julien, je t'invite à continuer la présentation. Les questions plus liées à l'impression 3D, à votre imprimante, à qu'est-ce qu'on en fait en classe, etc., j'y reviendrai plus tard. Merci, Julien. Oui, qui n'hésite pas, hein. Moi je serai encore disponible par la suite par mail pour des échanges ou sur les réseaux sociaux Tout à fait. sans aucun problème. Rapidement pour les matériaux, je pense pas que notre objectif c'est d'imprimer du chocolat, quoique pour certains, à mon avis, ça leur ferait plaisir. Il y a différents matériaux qui sont à notre disposition. Celui sur lequel je porterai mon attention, c'est le PLA, qui est un polymère à base d'amidon de maïs. Qui est facile d'utilisation, en tout cas pour l'impression à l'école, c'est plus que suffisant. On a une alternative un peu plus solide au besoin, c'est le PETG, qui est exactement le même plastique qu'on utilise pour faire nos bouteilles, si ce n'est qu'il y a du glycol dedans en plus pour permettre une facilité de l'impression. Le PC et l'ABS sont des matériaux qui permettent d'avoir une solidité un peu plus importante. Malheureusement, pour l'ABS, c'est beaucoup plus difficile à imprimer et déconseillé à utiliser en système fermé, en tout cas si votre imprimante est dans une classe avec des élèves, suite aux vapeurs qui peuvent émaner pendant l'impression. Vous avez des filaments un peu particuliers, des filaments flexibles. Qui sont très intéressants pour réaliser certaines pièces qui seront donc derrière flexibles. Et on a le PVA qui est un filament soluble qui peut être utilisé dans l'impression pour apporter une certaine structure au moment de l'impression et qui peut être dissous par la suite simplement dans l'eau pour l'éliminer. Voilà, c'est plus pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin. Je vous ai fait, et ça, je pense que vous pourrez récupérer la présentation après, mais les différentes catégories de fils qui peuvent être proposés. Évidemment, je mettrai en avant toujours le PLA et le PET. Et vous voyez qu'on va essayer de trouver finalement le fil qui nous convient le mieux en fonction de la facilité d'impression, de la qualité visuelle évidemment à la fin, de la résistance à la traction, l'élongation à la rupture, la résistance à l'impact. Surtout ça, hein. Et l'adhérence entre les couches. L'adhérence entre les couches, évidemment, qui sera liée aussi à la facilité d'impression et puis la résistance à la chaleur. Le PLA se classe bien, si ce n'est pour la résistance à l'impact. Malheureusement, il est cassant. Et la résistance à la chaleur, où il a un mauvais score aussi. Donc, pour ça, on peut partir plus
sur du PET. Si vous n'avez vraiment pas le choix, si c'est pour des pièces bien spécifiques, je pense que ceux qui travaillent en Fab Lab actuellement me contrediront pas en disant que l'ABS est une bonne solution, voire le PC. Quand on utilise des différents matériaux, évidemment, la manière dont on va les utiliser sera différente. Sur une imprimante 3D, je le montrerai, hein, on a une buse, il va falloir chauffer cette buse pour pouvoir faire fondre le fil. Et donc les températures auxquelles on va travailler sont différentes. Si vous avez un plateau chauffant sur votre imprimante, la température à laquelle vous allez devoir faire chauffer est différente aussi. Pour le PLA, on peut ne pas chauffer. C'est ce qui est le cas en tout cas pour une des imprimantes que, enfin, quatre des imprimantes que j'ai. Pour l'ABS, il est nécessaire de pouvoir chauffer le plateau, sinon vous allez avoir des déformations de la pièce au niveau de la base. C'est un principe physique, hein. Vous avez une contraction de la matière au moment du refroidissement qui va se faire, et donc une rétractation sur les extérieurs de la pièce qu'on appelle l'effet warping. Et puis évidemment, vous comparez les résistances mécaniques, la vitesse d'impression qui sera différente en fonction du matériau aussi. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur cette partie-là, évidemment. De toute façon, je pense que les meilleurs conseillers sont les revendeurs auxquels vous allez pouvoir poser des questions, profiter justement de prendre des vendeurs disponibles et pas juste des petites commandes sur Internet. On se rend compte parfois qu'on ne commande pas ce qu'il faut. Alors, on se rend compte que c'est fort technique à ce que tu présentes, mais c'était le choix qu'on avait fait pour que vous Oui. puissiez vraiment comprendre, faire le choix de la bonne imprimante, de la bonne technique d'impression, etc. Je vais juste te poser une petite question qui est une question de Christine. Peux-tu nous parler de l'impact écologique des matériaux utilisés? Est-ce que c'est totalement recyclable à 100% ou... Alors, le PET dont j'ai parlé, qui est plus résistant que le PLA, a exactement les mêmes conditions de recyclage, en tout cas de mes informations, hein, que les bouteilles en plastique classique, donc il est entièrement recyclable. L'amidon de maïs, de par son origine, a une certaine forme écologique. Il est recyclable aussi. La seule chose, c'est que toutes les pièces, évidemment, comme on a des colorants qui sont ajoutés, mais si vous remélangez tous vos déchets, etc., vous allez avoir quelque chose de pas forcément super joli en termes de couleur. Et donc, il faut bien classer et il faut trouver surtout une société qui a la capacité de reprendre ces déchets et de les reconditionner. Après, si vous êtes vraiment bricoleur, il y a moyen de fabriquer vos propres machines de reconditionnement de filaments. Voilà. Ouais, c'est la seule question qu'on avait sur les types de filaments, etc. Donc je te laisse continuer et présenter maintenant tes réalisations. Ok. Alors, de l'idée à l'objet, bon, il faut bien sûr avoir une idée, et c'est ça qui est le plus important dans la réalisation et la conceptualisation, c'est d'avoir son idée de départ. Après, il va falloir pouvoir transposer son idée, bien souvent en croquis en deux dimensions, vers un modèle en 3D. Et pour cela, on va faire appel à certains logiciels pour pouvoir réaliser, construire notre objet en 3D qui aura comme extension de fichier un point STL. Alors STL, simplement, ça vient de stéréo lithographie. L'origine de l'extension du fichier vient de là. Une fois que le fichier est modélisé numériquement en trois dimensions, on va pouvoir importer ce modèle dans un logiciel qui permet de contrôler l'impression. Pour une simple et bonne raison, c'est que une imprimante 3D en soi va fonctionner presque comme une imprimante classique, hein, sur feuille, sauf qu'elle va travailler par couche. Alors pour cela, j'ai piqué du matériel, enfin des jouets à mon fils. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de faire des puzzles en trois dimensions, comme cela. On voit bien à l'arrière les couches successives de carton qu'on va superposer. L'idée, c'est de faire évidemment exactement la même chose avec une imprimante 3D. On ne dépose pas du carton, mais simplement du filament. Et donc, notre logiciel qui va permettre de transformer notre fichier STL, donc notre objet en trois dimensions, vers une imprimante 3D, va simplement créer ces différentes couches que l'imprimante va devoir respecter. On dira que c'est un slicer, hein, pour slice, pour couche.
Et donc, une fois que vous êtes passé par ce logiciel, donc il y a moyen de paramétrer, j'expliquerai les paramètres qu'on peut mettre en place via ce logiciel, vous obtiendrez un nouveau type de fichier qui n'est plus un fichier STL, mais un fichier G-Code. Cette extension G-Code est vraiment le langage de communication pour les imprimantes 3D. Quelle que soit l'imprimante que vous allez avoir, c'est ce type de fichier que vous allez devoir mettre en place. Alors, les logiciels pour contrôler l'impression, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Je vous ferai une démonstration sur un gratuit tout de suite après et qui s'adapte à la plupart de vos machines. Alors, je ne vois plus où je suis. Les programmes pour pouvoir modéliser, je vous en ai fait une petite sélection, j'en présenterai seulement un vu le temps que nous avons. Le premier que moi j'ai utilisé, c'est SketchUp. Il a une version en ligne et il a une version fixe, logicielle, qui fonctionne relativement bien. Et pour vous, enseignants, enfin majoritairement enseignants, vous avez la possibilité, et si vous voulez, je pourrais vous donner le lien, d'obtenir une licence pro pour SketchUp, et ce, gratuitement, et qui devra être simplement renouvelée chaque année. C'est le distributeur officiel en Belgique qui s'occupe du dispatch des numéros de licence. Et voilà. Moi, c'est cet outil-là qui s'était installé sur les PC et les Mac au Fab Lab en logiciel fixe. Ensuite, on a Fusion 360, qui est le grand frère du programme, d'un des programmes suivants que je vais vous présenter. De nouveau, il est en ligne. On peut l'avoir en version installée sur son ordinateur ou sur son Mac. On va dire que cet outil-là est un peu plus, pour moi, est un peu supérieur à SketchUp. Il permet d'aller un peu plus loin. Néanmoins, il demande des connaissances un peu plus approfondies, voire des formations pour pouvoir l'utiliser correctement. Je pense que SketchUp, il y a déjà pas mal de tutos qui sont disponibles et qui fonctionnent très bien. Pour Fusion, c'est un peu plus compliqué. J'ai fait le choix aussi de vous présenter un logiciel de conception assistée open source qui est FreeCAD, qui lui doit être installé évidemment sur vos machines, qui n'est pas disponible en ligne, qui fonctionne relativement bien. J'avoue que moi j'ai pas mal d'élèves qui l'ont mis sur leur PC à la maison. Et celui que moi j'utilise le plus avec mes élèves, et je pense que pour les élèves du primaire, voire même maternelle, hein, pour troisième année maternelle jusque cinquième secondaire, on peut sans problème continuer à utiliser cet outil qui est Tinkercad. Alors l'avantage de Tinkercad, c'est qu'il est complètement en ligne et qu'il est adapté sur toutes les plateformes, aussi bien Windows, Mac, même sur un iPad, il fonctionne sans difficulté. C'est le moment Tu de se avais une lancer dans une question, petite démo, hein. Jonathan? Non, 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 on va essayer Oui, la démo. oui, oui. Ah oui, montre encore Pourquoi avant les ici? Bon, voilà, réalisations et puis. je voulais juste ici montrer ce que les élèves étaient capables de faire. Donc, c'est pas, c'est une réalisation qui a été faite par un élève de deuxième, donc il a 13 ans. Il a voulu modéliser un vaisseau de Star Wars. Il a juste pris une photo sur le net et puis il s'est dit, OK, ben, je me lance. Et il a modélisé donc les différentes parties sur Tinkercad. Puis il a porté évidemment sur un logiciel pour l'impression qu'on voit au-dessus à droite. Et puis l'impression, et voilà le résultat parmi tous les autres qui se trouvent encore cachés derrière. C'est une petite compétition entre élèves de pouvoir reproduire toute la flotte de Star Wars, entre autres. Alors, je Alors, passe sur la partie démo. des enseignants nous Oui. demandent si j'ai pas encore d'imprimante 3D, est-ce que je peux quand même déjà utiliser ces logiciels-là? Est-ce que c'est Oui, oui. tout à fait. Oui, et c'est ça qui est génial, je trouve, c'est que on peut déjà s'essayer évidemment à la modélisation 3D sans forcément terminer par l'impression, en tout cas pas pour le moment. Et en l'occurrence, nous, c'est le pari qu'on a fait aussi avec les élèves. C'est que certains n'ont pas encore fait de première impression alors qu'ils modélisent déjà. D'autres ont déjà fait des impressions sans modélisation et enfin, chacun choisit finalement l'aspect qui lui plaît le plus. Moi, j'ai des élèves qui adorent modéliser et qui détestent imprimer.
Et donc, par exemple, ici, ce serait l'occasion aussi de créer en classe et d'aller imprimer dans un Fab Lab. Là, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Oui, sans souci. Oui, D'accord, ok. vraiment. Ben, on se lance dans la démo. On va montrer un peu Tinkercad, qui est le programme qu'on Ok. utilise tous les deux en classe. Vous avez vu, il y avait une petite version iPad quand il a présenté. C'est un programme qu'on peut utiliser à la fois sur iPad et sur ordinateur. Et donc là, Julien va vous faire une rapide petite démonstration de ce qu'on peut faire avec ce programme-là, en sachant qu'on refera sûrement un webinaire après qui permettra d'aller beaucoup plus loin. Le but ici, c'est de vous montrer que facilement, on peut déjà réaliser des petites choses. Voilà. Alors ici, le principe de Tinkercad, il est gratuit. On vous avait toute une série de tutoriels. On en discutait tout à l'heure avec Jonathan que vous pouvez obtenir. Et l'avantage que vous avez, c'est que vous avez déjà une multitude de formes disponibles pour pouvoir réaliser évidemment votre modèle. Je vais vous faire un simple exemple, hein. Donc on a une vue évidemment tridimensionnelle de notre espace de travail. Je vais pouvoir zoomer dans cet espace pour le faire tourner comme je veux. Je vais pouvoir venir chercher ici. Mon objectif, c'était de vous montrer un petit dé qu'on peut customiser et qui peut être utile en classe. Je prends l'objet et je viens le placer sur mon espace de travail. Alors, vous voyez que comme un objet, enfin comme une photo, hein, sur un autre programme, vous avez la capacité de pouvoir modifier la taille de l'objet assez facilement. Je vais me mettre plus au-dessus. Désolé, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser dans cette configuration-là. Mais voilà. Ici, par exemple, si vous voulez choisir de faire un dé avec plusieurs faces et avec, par exemple, des lettres plutôt que des chiffres, vous pouvez soit additionner les objets. Et donc, ici, je vais pouvoir. Voilà. Le déplacer et venir le mettre au-dessus de mon dé. Alors le problème, c'est que évidemment, si je fais ça, mon dé ne va pas. Ton dé ne va pas Sais pas faire si vous office de avez du dé. lag ou pas. Non, non, vas-y, c'est Non, très non, bien. là ici le dé va pas faire office de dé, mais j'ai un petit peu. Je suis désolé, mais est-ce que c'est le fait que la connexion ait un petit peu de mal, mais j'ai même moi du lag sur mon écran. Ça lag un peu, Alors, mais on et comprend si très bien évidemment ce que tu fais. mon dé ne peut pas fonctionner comme ça, donc là je fais une superposition d'objets qui est déjà réalisée. Ce que je peux faire, c'est un trou. Donc c'est utiliser la forme que je viens de prendre, donc le A, pour pouvoir percer mon objet. Et donc, si je le fais descendre, on peut voir ici, je vais me remettre comme ceci, et que je fais un trou dans mon dé, et donc je vais pouvoir imprimer par extrusion les différentes phases de mon dé. C'est le genre de réalisation que les des premières réalisations que les élèves font pour pouvoir s'y retrouver. Et si tu regroupes, on voit bien que ça Vous fait un sacré avez. un trou, hein. C'est ça, hein. Si tu regroupes Oui, les deux ça crée un éléments, trou. Oui, c'est ça. comme ça on peut montrer peut-être aux participants. Oui. Et en plus, on économise du Attends, plastique parce de que. cette manière-là. Oui, clairement. Sais pas si vous avez des questions par rapport à la démo qu'il vient de faire. On va pas faire une démo trop longue parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie au niveau Oui, de ça. l'ordinateur. Ouais, j'ai. Ce qu'on vous Malheureusement, propose, en visio, c'est un peu compliqué, mais. ce sera de faire une petite vidéo tutoriel justement pour expliquer tout ça. Mais le principe, donc, tu viens de l'expliquer rapidement, on déplace des éléments, on les met un sur l'autre ou on peut les utiliser pour créer des trous dans les différentes réalisations. Oui. Après, on peut travailler, vous avez la possibilité de faire des symétries, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous avez la capacité d'importer des fichiers 3D déjà faits pour pouvoir les modifier, de pouvoir les exporter
pour après les travailler dans votre logiciel d'impression type Cura, voire d'envoyer votre projet à d'autres personnes, ce que les élèves font assez souvent quand ils font un travail collaboratif sur la modélisation d'un objet. Et on peut travailler ensemble sur le même objet, je pense, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'espère que ce petit Maintenant, exemple. prenez garde de bien enregistrer régulièrement vos pièces parce que j'ai quand même pas mal d'élèves qui ont juré parce que leur modèle s'était effacé et que c'était pas enregistré. Donc c'est un Parce outil que en ligne. logiquement, ça Malheureusement, de s'enregistre temps en temps, il automatiquement, hein. est théoriquement. Ça, c'est dans la théorie, mais ça D'accord. arrive souvent, ça m'est déjà arrivé souvent avec les élèves d'avoir des modèles qui disparaissent complètement. Ok. Une petite question par rapport, as-tu testé le mode AR Viewer dans la version iPad? Je pense que oui, parce que c'est toi qui me l'as Oui, présenté. et qui. Oui, elle est super chouette parce que vous avez la possibilité, du coup, si vous faites un prototype d'objet, de pouvoir même placer cet objet dans l'espace. Et ça de manière virtuelle et voir finalement à quoi ça rend. Et donc ça, c'est assez sympa. Vous avez même la possibilité de convertir votre objet en 3D en objet Minecraft pour les aficionados de Minecraft. C'est assez sympa à faire aussi. Voilà, super. Je te propose de continuer. On a beaucoup de questions sur les Oui. types d'imprimantes, quelle imprimante choisir pour démarrer, etc. Mais ça, D'accord, ok. on va le présenter maintenant. Je t'en prie. Ça marche. Pour ceux qui seraient intéressés, vous avez la possibilité aussi de scanner. Hein. Donc, si vous ne modélisez pas votre objet, vous pouvez scanner votre objet. Je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Je vous avoue que nous, on le teste à l'école et que ce n'est pas forcément super efficace. Pour avoir un bon rendu, il faut du matériel un peu plus cher. Mais sachez que c'est possible et que je pense que comme l'impression 3D, ça va se démocratiser aussi, même si vous avez plein de systèmes, je pense notamment avec la webcam de la Xbox, il y a moyen de faire un petit montage pour scanner des pièces et les modéliser en 3D. Alors, pour ceux qui n'ont pas envie de modéliser, mais qui seraient tentés de pouvoir imprimer des objets pour pouvoir réparer des choses à la maison, pour pouvoir réaliser des masques, notamment pendant le Covid. Du matériel pour votre classe, matériel didactique, et il y en a quand même une pléthore sur les différentes bases de données. Je vous en conseille trois qui sont les trois les plus courantes. Après, il y en a vraiment une pléthore. Le premier, c'est Thingiverse qui est proposé ici, hein, qui appartient à MakerBot. Vous avez My Mini Factory. Alors, les deux sont en anglais. Et puis vous avez Cult 3D qui permet de faire ses recherches tout en français, avec toutes les explications en français aussi. Faites juste attention. J'ai eu l'expérience malheureuse avec mes élèves. Il y a sur Cult 3D un petit espace coquin. Et malheureusement, les élèves l'ont vite trouvé. Donc voilà, faites juste gaffe à cette partie-là, parce qu'on trouve des choses un peu particulières. Une fois que vous avez en fait été sur ces sites, il est très facile et gratuitement de pouvoir télécharger les fichiers STL et puis simplement de les passer dans un logiciel pour préparer l'impression, donc pour préparer votre G-code. Vous avez certains, je ne l'ai pas précisé ici, mais si certains le souhaitent, je peux donner d'autres sources. Vous avez aussi d'autres programmes qui permettent de modifier un fichier STL existant. Pour pouvoir rajouter, le personnaliser, rajouter des éléments dessus ou le personnaliser assez facilement. Alors, la différence entre fichier STL et le fichier G-code, donc je précise bien, le fichier STL, c'est l'objet 3D numérique. Le G-code, c'est l'information nécessaire à l'imprimante, enfin, pour l'imprimante, pour pouvoir déposer ses couches. Je remercie Dagoma pour cette magnifique illustration. Et donc, vous allez partir de votre fichier STL que vous allez envoyer vers votre programme de préparation à l'impression qui vous transforme en G-code que vous allez pouvoir mettre sur votre imprimante 3D. Pour ça, il y a deux méthodes. Soit vous branchez votre imprimante 3D en USB, elle se connecte toute en USB, soit vous utilisez une carte mémoire pour pouvoir simplement ouvrir ce fichier sur votre imprimante. Je vous conseille très très fortement d'utiliser le système de carte mémoire pour vos impressions parce que sinon vous êtes obligé de laisser votre ordinateur tourner en USB sur l'imprimante.
S'il y a une coupure du courant sur le PC ou une mise à jour intempestive ou un plantage, ben, votre impression elle est réduite à néant. Qu'avec une carte mémoire, ça ne pose pas de problème. La seule raison pour laquelle vous allez utiliser le câble USB sur votre imprimante, c'est faire les mises à jour du firmware de votre imprimante, si cela est nécessaire. Voilà. Alors, la création d'un objet en soi, on crée juste des facettes triangulaires. Ces facettes sont orientées intérieur-extérieur. Et donc, toute la partie extérieure prépare la limite de l'objet, les facettes intérieures, ben, l'intérieur de l'objet. On peut faire en sorte que l'objet soit plein ou pas, et on peut faire ce paramétrage par la suite. Sachez, quand vous modélisez un objet, il faut éviter de descendre sur une paroi, en tout cas sur un objet qui fait moins d'un millimètre d'épaisseur, parce que votre imprimante n'aura pas la capacité de pouvoir imprimer cette partie-là, ou en tout cas plus difficilement. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, pas moins d'un millimètre. Quand vous faites des ponts, comme sur la partie en haut à droite, le problème, c'est que si c'est un dépôt de couche, l'impression 3D, si on n'a pas des couches en dessous, ben, le fil ne peut pas se poser. Alors, vous pouvez vous permettre d'avoir une zone sans fil en dessous, donc sans support, mais qui ne peut pas dépasser, qui ne peut pas excéder 1 cm. Si vous dépassez ce 1 cm, il faudra prévoir des pièces qui viennent servir de support, soit directement dans votre modèle pour pouvoir les supprimer par la suite, ou bien votre logiciel type Cura vous permettra de générer des supports qui seront facilement éliminés après l'impression. En ce qui concerne les angles de votre pièce, en tout cas si vous avez une pièce qui est plus fine en bas et plus large au-dessus, vous pouvez sans problème travailler avec des angles de 45 degrés et plus. Maintenant, si vous descendez et que vous avez un angle qui est inférieur ici aux 45 degrés présentés, vous aurez exactement le même principe que pour le pont qui se trouve à droite. Vous allez devoir générer des supports ou orienter votre pièce différemment pour éviter la création de ces supports. Mais je vous montrerai sur Cura en quoi consistent les supports avec différents exemples. Alors, après l'impression, vous avez plusieurs choses à penser malgré tout. Vous avez la suppression des supports. Si ces supports sont nécessaires. Alors, vous voyez l'illustration avec les deux chiens. Vous avez du côté gauche un support qui est fait en filament soluble. Alors, pour ça, il faut deux têtes d'impression. Une tête d'impression pour un filament, celui rouge, et une tête d'impression pour un deuxième filament qui sera lui soluble. Ou alors, vous avez le support classique où on a une seule tête d'impression, et donc la partie que vous voyez en dessous du chien, vous allez pouvoir venir, parce qu'elle est très très fine, elle a l'air compacte, mais en réalité elle est très très fine, vous allez pouvoir venir la retirer et à l'aide d'une petite pince venir découper les petits morceaux qui pourraient rester. Étant donné qu'on travaille avec une impression en couche, vous allez toujours, même si on peut limiter cet effet-là, vous allez toujours avoir au niveau de la surface de l'objet ces couches qui apparaissent. Il y a moyen de le diminuer, de l'atténuer un maximum, mais ça a une certaine limite. Et donc, vous avez soit de la possibilité de poncer vos pièces. Faites attention en ponçant, on ne ponce pas n'importe comment et avec n'importe quoi. Donc, ça, je peux vous donner plein d'astuces aussi pour le faire. Vous avez certains produits qui permettent de lisser la surface de l'objet en fonction du matériau que vous utilisez, en fonction du filament que vous utilisez au départ. Et puis, vous avez aussi la possibilité de venir peindre votre objet par la suite. J'avais beaucoup d'élèves à un moment donné qui voulaient absolument comment imprimer des objets et avoir le résultat final directement avec la bonne couleur. Il n'est pas possible, sauf si vous collez les différentes pièces ensemble par la suite, mais il n'est pas possible d'avoir votre pièce en différentes couleurs, ou en tout cas pas plus de 2 couleurs simultanément. Donc, c'est assez simple de peindre une pièce en 3D. Vous mettez, moi j'utilise cela, de l'après ou plutôt de l'avant que les carrossiers utilisent pour la peinture pour les voitures. Et, un petit coup de ponçage et vous pouvez peindre dessus.
Juste pour te signaler, Julien, qu'il nous reste 10 grosses minutes, donc peut-être que les paramètres d'impression, les Ok, faire ça va. plus rapides pour montrer ce que tu Très fais en classe rapidement, avec oui, ok, les ça élèves, marche. parce que je pense que ça peut être vachement plus pertinent, quoi. Ok. Merci, Julien. Ok, ça marche. Pour les paramètres d'impression, je vous laisserai découvrir hein, si vous avez le slide, mais on a évidemment une buse et un corps de chauffe qui permettent de chauffer le fil. Vous avez l'extrudeur. Alors ça, c'est pour votre choix de machine, ça peut être intéressant quand même de le savoir. Donc c'est l'élément qui va permettre d'entraîner le fil et de l'amener évidemment jusque dans le corps de chauffe. Vous avez deux systèmes, soit le fil est poussé. Donc le système qui est ici est beaucoup plus loin sur la machine, il ne se trouve pas au-dessus du corps de chauffe, ce qui peut entraîner de temps en temps des petites complications. Moi, sur mes deux Weetbox, le système ici est directement sur la tête d'impression, ce qui m'évite certains soucis. Donc ça, c'est un élément peut-être à vérifier. Je vais essayer d'aller plus vite. Je vous ai remis hein, les différentes parties d'une imprimante. Donc vous avez le plateau qui peut être chauffant ou non. Vous avez les courroies d'entraînement qui vont faire avancer et reculer votre plateau. Ce plateau va, lui, se déplacer sur l'axe Y. La tête d'impression va se déplacer sur l'axe X qui va nous donner déjà les deux premières dimensions. Et puis l'ensemble ici va pouvoir monter sur l'axe Z pour nous donner la troisième dimension. Donc pour imprimer une couche, la première couche, on va travailler sur X et Y. Et à partir de la deuxième impression, on va remonter d'un cran sur l'axe Z et faire la couche suivante. Alors, au niveau de la tête d'impression, comme ça, vous voyez à quoi ça correspond. Vous avez votre buse qui est ici, en cuivré. Vous avez un fil rouge qui est simplement la résistance chauffante qui permet d'amener la température au niveau du corps de chauffe. Un petit filament blanc et noir, c'est la sonde de température pour contrôler la température, évidemment, de votre corps de chauffe. Le corps de chauffe en lui-même ne change pas. Par contre, la buse est un élément qu'on peut changer parce que, d'un, elle va s'abîmer, elle va s'user au fur et à mesure. Et puis, on peut modifier le diamètre de cette buse pour obtenir des résultats d'impression qui peuvent être différents. Je vais avancer un petit peu ici. Voilà les différentes buses que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir du 0,2 mm jusque du 1 mm de diamètre en termes de passage. De fil. Plus c'est fin, évidemment, plus le détail sera important. Plus c'est gros, moins le détail sera important. Par exemple, pour la réalisation de visières, pour ceux peut-être qui en auraient déjà fait, pour pouvoir réduire le temps d'impression, on va simplement travailler avec des buses avec des diamètres plus grands parce qu'elles permettent de déposer plus de filaments en une fois. Ce n'est pas la qualité esthétique qui nous importe ici, mais vraiment la vitesse de réalisation. Alors, ça, c'est un petit truc que moi, j'ai zappé au tout début. Et la buse qui peut être changée, j'avais zappé cette partie-là, mais le tube qui est ici, en fait, qui est dans le guide filament, donc qui est juste au-dessus de la, vous voyez, en blanc, au-dessus de la buse, c'est un tube en téflon qui permet de guider le fil jusque dans la buse. Mais c'est un tube qui résiste à la chaleur, mais qui doit être changé régulièrement. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens l'oublient. Et donc, si vous avez votre tête qui se bouche, la tête d'impression qui se bouche, c'est parfois simplement parce que le tube en téflon est endommagé et forme un bouchon juste avant la buse. Même si la buse passe nickel. Alors on peut nettoyer toute cette partie-là assez facilement en faisant passer une aiguille dedans. Parfois l'aiguille passe, mais le filament ne s'écoule pas correctement, donc c'est le moment de changer votre tube en téflon. Alors la hauteur de la buse, évidemment, il ne faut pas que le fil soit déposé trop haut, sinon il n'adhère pas bien au plateau. Il ne faut pas qu'il soit déposé trop bas, sinon votre couche sera écrasée. Et donc ça, c'est vraiment un truc, par exemple, que moi je travaille avec mes élèves. Imprimer, c'est bien, hein, de sortir un objet, mais il faut savoir aussi régler, paramétrer correctement son imprimante. Et donc, je leur demande, sur des imprimantes, les premières qu'on a, de faire manuellement la mise à niveau de la hauteur de la buse par rapport au plateau, pour qu'ils puissent bien comprendre comment tout ça fonctionne.
Et puis après, sur les plus grosses imprimantes, on a une mise à niveau qui est pratiquement automatique. N'oubliez pas de prévoir l'entretien, nettoyer votre plateau correctement, avoir une bonne spatule avec un côté bien tranchant pour pouvoir décoller vos prints, vos aiguilles, de l'huile, alors pas n'importe quelle huile, pour pouvoir graisser vos roulements et vos tiges filetées sur l'imprimante 3D. Utilisez de préférence de l'huile de machine à coudre et pas le WD-40 qu'on a tous dans notre garage, ou presque. Parce que le problème, c'est qu'il y a le silicone dans le WD-40, bien que on ait des versions du WD-40 qui n'en contiennent pas. Alors, il y a plusieurs éléments de paramètres d'impression qu'il va pouvoir prendre en considération. Plus votre objet sera gros, plus le temps d'impression sera grand. Pour une pièce qui fait 2 cm sur 2 cm sur 2 cm, après quelques minutes, votre impression est faite. Si on passe à 10, 10, 10, c'est plusieurs heures d'impression qu'il va falloir compter. Je vous ai pris un exemple, j'ai fait ce crâne de T-Rex pour parler des régimes alimentaires en science et donc pouvoir observer la mâchoire du T-Rex. Cette impression-là, au total, m'a demandé presque 22 heures. Donc 22 heures d'impression pour une pièce comme ça. Heureusement en différentes parties, mais 22 heures quand même au total. Donc ce n'est pas instantané hein, de faire de l'impression 3D. Je vais peut-être passer sur l'utilisation, Jonathan, je ne sais pas ce On va que passer tu en penses la aussi. démo sur Curin parce qu'il y a beaucoup de questions justement sur les imprimantes. Ici, on voit trois modèles. Et il y a une question qui revient Oui, ok. souvent, c'est quel modèle conseilles-tu pour démarrer dans l'impression 3D? Ou peux-tu nous donner un exemple d'une imprimante pour démarrer et une imprimante pour aller plus loin, peut-être, s'il y a des experts qui voudraient aller un peu plus loin? Oui, écoute, moi je pense qu'à l'heure actuelle, parce que les modèles qui sont affichés là sont évidemment les modèles que nous on a, certains datent, hein, la Biscoisie est plus ancienne. Je pense que pour pouvoir commencer, certains collègues, certains qui participent à la visio ici, enfin au webinaire, l'ont certainement chez eux, c'est la Creality Ender 3. En version classique ou en version pro, hein, on est à peu près 200 euros pour la Creality Ender 3, qui est un prix super abordable, assez facile à mettre en place, assez facile à régler. Donc on a un coût qui est vraiment très bas. Maintenant, la durée de vie est peut-être un peu plus limitée si on fait beaucoup d'impressions. Et en termes de sécurité avec des enfants, voilà, il faut vraiment faire très attention. Soit vous construisez un box qui va autour, soit vous partez plus sur des systèmes. Comme la Weetbox qui est présentée ici. Donc, l'ensemble est fermé. On a même une clé hein, qui permet d'empêcher je veux dire, d'accéder à l'intérieur de l'imprimante quand l'imprimante est en cours. On est sur des prix complètement différents. Hein. La Discoisy, ici, on avait payé 350 euros. La Weetbox, ici, elle a descendu. Elle était à 1600. On a 1300 euros quand même pièce. Et puis après, aussi, on est parti sur un modèle qu'on n'avait pas. On a choisi d'avoir une imprimante avec un plateau chauffant. Parce que sur la Weetbox et sur la Discoisy, on n'en avait pas. Et donc, on est parti sur une Creality de très grand volume pour faire de grosses pièces. On est sur du 45-45 en plateau et 47 de hauteur avec détection automatique de filaments, de fin de filament, reprise en cas de coupure d'électricité. Enfin, ouais, y a plein d'options supplémentaires qui engendrent un coût aussi plus important. On est dans l'ordre de 900 euros TVA comprise. Dans le chat, il y a beaucoup d'experts d'imprimantes 3D. N'hésitez pas à dire laquelle vous conseillez aussi dans le chat, comme ça peut alimenter. Je tiens à vous remercier déjà parce que vous avez énormément échangé et partagé beaucoup de ressources. Une dernière petite question ici sur les imprimantes de manière spécifique. Il n'y a pas longtemps, Aldi a fait une promo. Je crois que beaucoup d'enseignants ont foncé dessus. Est-ce que tu te rappelles du modèle et qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne me rappelle plus du nom exactement. Écoute, je Est-ce que m'en ça te dit souviens quelque chose? plus. On Non. l'a vu, oui, on l'a vu passer. Elle était aux alentours des 300 euros. Ouais. Je vais être honnête avec toi. J'ai pas mal d'élèves qui étaient du coup assez intéressés pour pouvoir s'en acheter une. Et puis par comparaison avec les autres produits disponibles, le prix n'était pas si intéressant que ça. Et il y avait moyen pour le même montant d'avoir quelque chose de plus efficace. D'accord, ok. Maintenant, je te propose de montrer un peu ce que tu fais en classe avec les élèves. Je pense que ça peut être vraiment, ça peut donner du sens et montrer vraiment la situation d'apprentissage. En attendant, je vous lance déjà deux petits sondages en attendant que Julien se prépare. À votre avis,
que je le reprenne. Qu'est-ce qu'une pédagogie intégrant la pression 3D peut apporter à mes élèves? J'ai mis plusieurs items, confiance en soi, fierté, autonomie, créativité, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vous demande de choisir celles qui vous semblent les plus pertinentes. Et un deuxième sondage, à votre avis, quelles compétences de savoir-faire peut développer l'impression 3D dans une classe? Donc, je vous ai mis une série de différentes compétences et, ops, voilà. Et une série de différents savoir-faire. On en a discuté avec Julien. Pour nous, il y avait différents... On peut travailler à la fois des savoir-faire et des compétences pour les élèves. Alors, le temps que les sondages se remplissent, je t'invite déjà à expliquer un tout petit peu ce que tu fais en classe avec tes élèves. Déjà, on monte et on démonte les imprimantes, en tout cas les premières qu'on avait eues, parce que ça leur permet évidemment de comprendre leur fonctionnement, hein, les différentes parties, etc. Je pense que c'est important. De pouvoir le faire, travailler sur le matériel. Donc ça, c'est une première chose. On a une partie qui a été programmation aussi, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait des soucis avec les Dagoma, et donc on est passé sous Linux pour les faire tourner. Donc on avait une partie dédiée à ça. Ensuite, on a mis en place des premiers groupes d'élèves dans l'école. En formation d'apprentissage sur l'impression à tous les niveaux, et on a eu un super coup de main. Ça, si vous êtes intéressé pour faire ça avec vos classes, c'était génial. C'est le pass de Framery, qui est une équipe mobile qui peut venir chez vous avec des imprimantes 3D, avec du matériel pour pouvoir faire une première initiation. Donc, si vous n'êtes pas encore sûr de travailler avec l'impression 3D avec vos élèves, ça peut être une première étape. Tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, on t'entend. Et j'en profite pour te donner les résultats du sondage avant qu'on continue. Donc au niveau des compétences et savoir-faire, c'est essentiellement structurer l'espace, collaborer, créer, mesurer des grandeurs aussi, un petit peu moins la lecture, mais ça, je pourrais peut-être en parler par après. Oui. Et au niveau vraiment, ce que ça peut amener aux élèves, c'est surtout la créativité à 90% qui est sélectionnée. Confiance en soi, fierté, autonomie. Est-ce que ça te parle, ces résultats, Julien? Oui, tout à fait. Et disons que l'endroit où ça fonctionne le mieux chez nous, donc on a pu mettre des workshops et des cours, notamment en activité scientifique. Je me suis permis de le faire au sein de l'école pour former tout le monde, mais tout le monde n'est pas forcément attiré par l'impression 3D. Et ce qui, chez nous, a fonctionné le mieux, c'est les workshops entre élèves. Et donc, l'aspect collaboratif, pouvoir travailler sur des projets communs, échanger, confronter ses difficultés, ses idées, c'était vraiment le plus important pour nous. Et éviter de les enfermer dans un cadre de création, les laisser le plus libre possible. Ici, moi, ils m'ont lancé, bon, j'avais dit le challenge avec les vaisseaux Star Wars, ça peut paraître désuet, mais c'est à ce moment-là qu'ils développent le plus de compétences, parce qu'ils ont le moins de contraintes. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc, il y a des étapes d'apprentissage qui sont nécessaires, hein, maîtriser l'outil, etc. Hein, on a besoin d'être là et de les accompagner, mais ils ont besoin de beaucoup de temps pour pouvoir laisser cours à leur créativité. Ça, c'est vraiment important. Et pas leur mettre de barrières, de limites à ce niveau-là. Pouvoir créer, construire des choses, c'est quelque chose qui vraiment passionne les élèves. Hein. On en parlait avec Martin un peu en aparté, peut-être pour rassurer peut-être les instituts primaires. Ici, vous avez des exemples de secondaire. Moi, je fonctionne plutôt davantage avec des petits tutos que les enfants font. C'est pour ça qu'on a mis la lecture. Donc, ils lisent le tutoriel. Laurent en a partagé un tout à l'heure dans le chat. Et ça leur permet de lire et de créer les éléments. Et puis, par après, quand ils ont une maturité de l'utilisation, alors ils peuvent collaborer et expliquer ce qu'ils ont réalisé. Et donc ici, tu as encore d'autres réalisations de tes élèves, Julien? Oui, mais déjà, je voulais préciser que ce n'était pas que les garçons qui étaient intéressés. Ça, c'est super important parce qu'on a autant de filles que de garçons. Non, on l'oublie trop souvent. Il n'y a vraiment pas de clivage entre les deux. Que du contraire, ça permet de les rapprocher parce que je trouve que les élèves, c'est bête, mais les filles sont... C'est pas bête, c'est une belle observation. Les filles sont souvent plus créatives que les garçons. Elles se mettent moins de barrières, à mon avis, à ce niveau-là. Donc on a évidemment du matériel pédagogique qui a été mis en place. On a fait des impressions évidemment d'objets qui leur plaisaient, hein, de bêtement de déco, parce que c'est ça qui parfois les accroche.
On a en haut à droite un meuble qui a été adapté. Donc, c'est des tables IKEA à 5 euros. On a créé ou modifié des supports existants pour pouvoir adapter les tables et en faire une armoire fonctionnelle. On a de la récup avec un pot de Nutella qui a été transformé en distributeur de bonbons. Et ça, c'est un élève simplement qui est venu avec l'idée. Il a vu un tutos de Heliox. Super chaîne YouTube d'ailleurs que je vous conseille. Et il a voulu le réadapter avec de la récup. Et donc on a pu le faire en se tortant bien l'esprit à certains moments. Pour le faire. Et alors ici on a des élèves maintenant qui créent des objets pour l'école. Donc on est équipé d'iPad et on voulait pouvoir profiter des microscopes, en tout cas des photos prises au microscope avec l'iPad. Le problème, c'est qu'on n'est jamais très stable. Et donc ici, on a fait un petit concours entre les élèves pour créer un adaptateur à placer sur l'iPad et sur le microscope pour pouvoir prendre plus facilement des photos avec. Et ça rejoint une question de Christine qui est, on peut faire des projets interdisciplinaires, vraiment, tu vas te montrer des exemples, etc. Ça mixe toutes les disciplines, sciences, maths, français. Et tout. Même les langues, parce que au début de notre projet, la plupart des ressources qu'on allait chercher étaient en anglais. Il y a un site qui est super sympa, c'est Instructable, qui est super chouette. Alors moi, je leur déconseille de faire la traduction automatique et de se dépatouiller un petit peu. Et voilà, il y a moyen de vraiment de mettre en place plein de choses. On sait qu'en secondaire, les règles de 3, ça leur paraît, enfin, les règles de proportionnalité, ça leur paraît désuet, et là, ils en retrouvent là, toute l'utilité. Donc maintenant, ils jonglent avec sans difficulté. On réutilise des pieds à coulisses qui avaient disparu de nos écoles depuis malheureusement bien longtemps. On mêle ces projets d'impression 3D aussi avec de l'électronique. C'est vraiment aussi, on est en train de finaliser une serre connectée où certaines pièces sont fabriquées en 3D. Donc, c'est vraiment pas de l'impression en 3D pour dire de faire des objets pour décorer, mais vraiment un ensemble de choses par lesquelles on peut développer énormément de compétences. Super. On va conclure tout doucement. Je ne sais pas si tu as encore des exemples. Non, tu conseillais ceci? Oui, bah, je conseille Slash 3D, qui est une société belge d'un distributeur d'imprimantes et de filaments. Je pense que c'est important de travailler avec des gens, des vrais gens, et pas uniquement commander sur Internet. Le contact humain, c'est le plus important. Et surtout, de pouvoir être bien conseillé. Et voilà, c'est un des revendeurs actuels en Belgique qui est super actif, super sympa. Je sais qu'il y en a certainement d'autres dans les différentes régions en Belgique. Peut-être que les autres makers pourront ajouter leur contribution à ce niveau-là. On a un tout petit peu dépassé. Ce sont tes coordonnées, Julien. Je ne sais pas s'il y a des questions encore qui... Il y a certaines questions que je sais qu'on y répondra par après parce que c'est un peu plus précis, etc. S'il y a des dernières questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vous envoie aussi un petit lien et je crois que ça fera plaisir à mon collègue Anthony. N'hésitez pas aussi à aller vous retourner vers Technobel qui donne vraiment des chouettes formations dans ce domaine. Donc, si on peut résumer, Julien, choisir une première imprimante, l'apprivoiser, je pense. Suivre. Oui. Tous tes conseils, parce que honnêtement, moi j'ai une imprimante et je pense que le replay ici de ce webinaire va être vachement utile parce que tous les conseils qui ont peut-être semblé compliqués pour certains ou qui semblaient fort techniques, etc., ça va vous servir vraiment au niveau de la buse, au niveau de la gestion, etc. Et puis un dernier conseil qui est aussi d'aller se former et de s'accompagner de personnes qui peuvent vraiment vous aider. Je te laisse conclure par rapport à cette partie-là. Julien, n'hésite pas. Oui, moi je pense que ce qui est vraiment important dans notre petit pays qui est la Belgique, c'est de pouvoir collaborer un maximum. Et donc j'en appelle à tous les Fab Labs qui sont peut-être connectés pour l'instant et à tous les enseignants qui sont déjà occupés avec l'impression 3D, ou tous ceux qui seraient tentés de se lancer dans l'aventure, de pouvoir peut-être mettre en place un espace d'échange, aussi bien de conseils que de démarches pédagogiques. Qui pourrait être mise en place à l'école. Et Technobel, effectivement, super. Et puis, je refais une petite couche pour le Pass à Framerie qui fait un travail aussi exceptionnel avec les élèves, surtout si vous voulez tenter l'aventure avant de faire l'achat. Voilà, je vous ai transmis un dernier petit sondage pour avoir votre avis sur le webinaire. Qu'est-ce que ce webinaire m'a apporté ? Des top ressources pour me lancer, des conseils pour m'améliorer, l'envie de me lancer.
l'envie d'aller avec mes élèves dans un Fab Lab ou autre. En tout cas, on espère vraiment que ça va vous permettre d'intégrer cette technologie dans les classes. Je tiens encore une fois à remercier tous les participants du chat, parce que Julien, toi, tu n'as pas vu le chat, hein. Mais il y a eu énormément de ressources qui ont été partagées, qui ont été vraiment proposées à la fois au niveau technique, au niveau fonctionnalité, au niveau choix d'imprimante, etc. Et en tout cas, Julien, je te remercie pour cette présentation qui a permis vraiment de dégrossir cette approche, cette technologie, cette pédagogie à mettre en place aussi. Alors, je reviens sur le petit sondage. Qu'est-ce que ce webinaire m'a apporté ? Il y a encore beaucoup de choses à faire et à dire. Oui, tout à fait. On a plus ou moins respecté. Énormément. Je respecte jamais le timing, donc ne te tracasse pas. Alors, des top ressources pour me lancer, 42%. Des conseils pour m'améliorer, 40%. L'envie de me lancer, 55%. Ça fait plus que 100%, mais vous pouvez répondre à plusieurs, hein, donc ne t'étonne pas. L'envie d'aller avec mes élèves dans un Fab Lab, et j'espère qu'ici, ils ont pu se manifester et montrer qu'ils étaient disponibles. Donc voilà, je vous remercie. N'oubliez pas, les enseignants, de compléter les fiches FSE. C'est ce qui nous permet vraiment de rendre ces webinaires gratuits et ouverts à tous. Et encore merci à tous les experts qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Un petit mot pour la fin, Julien? Merci à tous d'avoir été présents, et surtout à l'équipe et à Jonathan et à toute son équipe pour m'avoir invité sur ce webinaire. Oui, on ne le signale pas assez, mais il y a toute une équipe qui est derrière, qui nous ont beaucoup aidé à le mettre en place aujourd'hui, parce qu'on avait eu des petits pépins techniques, mais tout a bien fonctionné. Je vous remercie, prenez soin de vous, et merci de nous suivre encore aussi nombreux, et à bientôt. Merci.